Salut tout le monde, c'est Ousmane, bienvenue sur Sport Lifestyle. Cette semaine, je vous amène avec moi pour une semaine type d'entraînement et la préparation du match contre les SCO d'Angers en 32e de finale de la Coupe de France 2021-2022. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis footballeur en National 3 au club de l'INAS Moléry. C'est notre deuxième qualification en 2 ans en 32e de finale de la Coupe de France. La première fois, c'était en 2019-2020. On y avait joué notamment le PSG de Edinson Cavani. Cette fois, on rencontre le SCO d'Angers. Et cette fois, j'espère une victoire et la qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Allez, c'est parti! Arrivé à l'entraînement, on va se préparer tranquillement. Qu'est-ce qui fait 2 semaines? L'un des vrais, ça fait 2 semaines, wesh. Il aura donné l'un des vrais, mais là, il y a Noël qui arrive. Noël arrive, c'est ça. Bon, arrivé dans les vestiaires, les gars. Ah, le Youtuba, il est là. Ok, c'est Noël là. On a des enfants aussi, putain. On a des enfants, ok. Vous êtes toujours pas prêts là? Non, là on est tendu là. Pourquoi? On vient sur le temps du mois. Ah, les fêtes, ils sont là. La semaine prochaine, c'est Noël, cousin. Mon ami, il va faire des cadeaux quand même. La daronne au bled, donc ils vont envoyer de l'argent, frère. Ils vont faire les gens, vont faire le faux calcul. Ah, on va aller au temple. Bon, les gars, bienvenue à la salle. Bon, faites pas gaffe, il faut des travaux encore. On va s'entraîner un petit peu. Let's work. Toi tu filmes Mano, moi tu me filmes pas. Alors que c'est moi le plus beau de l'équipe. Non, 92 à moi. Ah ouais, c'est à moi, ouais. Non, c'est à moi. Angers, on va les taper. Et puis c'est moi, je vais marquer, on va gagner. Inch'Allah. Tu sais que t'es suspendu? Ouais. Très jeune, mon gars, je suis suspendu. Et je vous fais confiance, hein, les gars. Attends, pas la couille d'Angers. On joue tranquille. Le buteur miracle. Tu penses faire la même contre Angers parce que t'as fait à Dunkerque? Ouais, deux fois. Deux fois? Dernière minute aussi? Deux fois, dernière minute. Non, ça va être compliqué, on va essayer. Hein. On va essayer de faire ça. On a pas d'intendant dans le club. Ah ouais, on a pas. Maintenant, t'as pas de grip, c'est ça? Ouais, ouais, y'a pas de grip, c'est fini. Tu vois, il va changer. C'est vrai en plus. De quoi? T'imagines si un gars qui peut vendre ta vidéo? La sécurité, il est là. Il est là, la sécu. C'est Ousmane Diallo. Capi. C'est comment, mon frère? Salut tout le monde, on se retrouve au lendemain de l'entraînement. Alors l'entraînement d'hier, c'était un entraînement plutôt court parce qu'on a eu match ce week-end. Normalement, on a un autre entraînement demain. D'ici là, j'avais envie de faire un petit bilan de notre parcours en Coupe de France cette année. Alors, faut savoir que nous sommes en N3, genre le championnat national 3. Les national 3, ils rentrent en Coupe de France à partir du 3e tour. Comparé à d'autres équipes, genre qui commencent au 1er tour, 2e tour. Mais nous, on a eu la chance de rentrer en 3e tour, ce qui est déjà bien. Du coup, en 3e tour, on a rencontré Vert. C'était à l'extérieur, vu qu'en Coupe de France, vu que quand tu joues contre une équipe qui est plus bas que toi, normalement, c'est l'équipe qui est inférieure qui reçoit. Du coup, on s'est déplacé à Vert. On a gagné 2-1. Après Vert, on tombe contre Marcoussis. Marcoussis, c'est une équipe de D2 aussi, si je ne me trompe pas. En fait, Marcoussis, c'est une ville voisine de l'INAS Moléry. En fait, on va dire que c'est un petit peu un petit derby. Bon, même s'ils sont en D2, en gros, t'as une route. T'as Moléry d'un côté et t'as Marcoussis de l'autre côté. Ils sont en D2 et nous en 3. Donc, on va dire que c'était un petit peu le match de leur saison. En plus, en Coupe de France, chez eux, à Marcoussis, c'était une bonne fête. Après, parler du match en lui-même contre Marcoussis, on gagne 3-0 à Marcoussis. Bon, après, on gagne 3-0, mais vraiment, le score, il reflète pas le match. Parce que Marcoussis, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais on a su rester solide et un match vraiment très, très difficile parce que Marcoussis, se sont créés énormément d'occasions. Ils n'ont pas été efficaces devant le but. Hein. Sinon, le match, il aurait pu terminer 3-2 ou 3 partout. Comme on le dit souvent en Coupe de France, le plus important en Coupe de France, c'est le résultat. Parce que je ne viens pas en Coupe de France pour faire du beau jeu ou je sais pas quoi. Coupe de France, le plus important, c'est le résultat.
Cinquième tour, on tombe contre Yerkron. Yerkron, c'est une équipe de Regional 2, R2. Très très bonne équipe de R2 en plus. Parce qu'on a l'habitude de les jouer en match amical, Yerkron. Ce match-là, c'était vraiment un match très très difficile encore une fois. Déjà, en première mi-temps, on s'est fait dominer par une équipe de R2 de bout en bout. On n'avait même pas d'occasion, on n'arrivait pas à ressortir le ballon. En plus, Yerkron, ils obtiennent un pénalty en première mi-temps. Manque de bol, bonne chance pour nous du coup. Ils ratent leur péno. Quand ils ratent leur pénalty, on est reboosté de ouf, on est à bloc et tout. Et la mi-temps, le coach, il nous rentre dedans parce qu'on faisait n'importe quoi. Là, on revient en deuxième mi-temps. On fait le taf en deuxième mi-temps, on marque deux buts. Ils n'ont eu aucune occasion en deuxième mi-temps. L'écart de niveau, ça s'est vu en deuxième mi-temps. Yerkron, une très très bonne équipe. En sixième tour, on tombe contre Suren. Suren, c'est une équipe de R2 encore. Encore une fois, on se déplace là-bas à Suren. En dimanche, il pleut. Il venait de sortir au tour précédent une Nationale 2. Les Gobelins, Paris 13 Atletico, l'une des meilleures équipes de Nationale 2. Au tir au but en plus, ils ont tenu le score. Je crois ils ont fait 0-0. Ils sont allés au tir au but, ils ont gagné. Donc, fallait s'attendre à un match costaud de leur part. Bon, comment on pouvait bien s'y attendre? On fait 0-0 dans le match. Hein. Tir au but contre une équipe de Suren qui venait juste de se qualifier au tir au but au tour précédent. Alors, les tirs au but, c'était vraiment très très lent parce qu'on n'arrivait pas à se départager. Mais au final, on gagne. On part avec la victoire, on se qualifie au 7e tour. 7e tour, tirage au sort. On tombe contre une Ligue 2. On tombe contre Dunkerque. Nous, on était remontés en bloc parce qu'on était, on est la petite équipe. D'autres matchs, c'était nous, on était les favoris. Et du coup, on devait faire le jeu et tout. Alors que là, on n'était pas les favoris. C'était Dunkerque, une équipe de Ligue 2 qui venait chez nous. Et on a voulu montrer que voilà, on était une bonne équipe aussi. À la mi-temps, il y avait 0-0. Genre, quand t'es pas favori, plus le temps y passe, plus tu prends confiance. Plus le temps y passait, plus nous, on prenait confiance. Et il restait 5 minutes de jeu. Et là, on a un contre-attaque. On marque le but. Ah, c'était un truc de ouf. C'était extraordinaire. Contre une Ligue 2, tu gagnes contre une Ligue 2, tu joues en National 3. C'est un truc de malade. Une très très belle victoire. On marque à la fin, le stade il explose. On est tous contents, on se qualifie au 8e tour. Au 8e tour, du coup, on tombe contre Évreux. Il faut savoir que Évreux, c'est une équipe de National 3 aussi, mais National 3 de Normandie. Petite anecdote, il faut savoir que Évreux, on les avait joués il y a 2 ans au même stade de la compétition en 8e tour de la Coupe de France. Et il y a 2 ans, en 8e tour de la Coupe de France, on les avait battus 3-1. Du coup, Évreux veulent forcément prendre leur revanche. Genre, au début du match, le match il était vraiment chaud. Parce que Évreux, ils étaient à bloc, ils nous ont attaqué de partout, ils arrêtaient pas de faire des offensives et tout. Et là, bim, ils marquent un premier but. On arrive à la mi-temps 1-0, bah, comme il y a 2 ans. Hein. Du coup, le coach il nous rentre dedans encore. Parce que ouais, franchement, on faisait n'importe quoi en première mi-temps. Et là, on ressort à bloc et tout. Le coach il fait des changements. À la mi-temps, on revient. 1-0 jusqu'à la, on va dire, jusqu'à la 75e minute, 1-0 pour Évreux. Et là, on égalise un partout. Il restait 15 minutes, on égalise un partout, c'était un truc de ouf. Notre gardien, il fait une longue transversale. Notre attaquant qui a marqué le tour précédent contre Dunkerque en dernière minute, bah, c'est lui qui égalise contre Évreux. Franchement, lui, c'est notre porte-bonheur cette année en Coupe de France. Hein. Et là, tir au but. Hein. Pour une fois, on a la chance de gagner les tirs au but. Mais il faut dire aussi que notre gardien, il a fait le boulot. Hein. Il a arrêté le premier tir de Évreux. Et après, tous les autres tireurs, ils ont marqué. Hein. Après, il faut noter que notre gardien, franchement, il a été vraiment très très solide sur cette campagne en Coupe de France parce qu'il a arrêté beaucoup beaucoup de pénalties. Et même en championnat, il en arrête. Hein. C'est cool pour nous. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Hein. Du coup, voilà, 32e de finale, on se qualifie encore une fois. Voilà, on va essayer de bien préparer le match. Comme on a toujours fait, on va pas se mettre de pression, on va pas se prendre la tête. Et voilà, on va essayer de tout donner contre Angers. Si contre le PSG, c'était vraiment, genre, c'était une fête en fait contre le PSG, on savait qu'on allait pas gagner. Même si dans le foot, tout est possible, on savait que Paris, c'est vraiment une équipe très très forte. Hein. Bon, même si Angers, c'est une équipe très très forte aussi, tu vois, c'est une très très bonne équipe de Ligue 1. On sait que Angers, c'est pas Paris, quoi. Donc Angers, on a toute notre chance de se qualifier et on va tout donner pour se qualifier. Ça va péter! Wow, enchanté, ostéopathe, étudiant, Rice Vignon, voilà. Ah bah voilà, passion. Ah bah il s'est présenté, je vais pas dire. Je renforme toujours. C'est Herman le clown de la vidéo. Laisse tes dit 19, vraiment tout dessus. Pas les joueurs, moi j'ai un peu de moi et courage. Change-toi. C'est toi le pro, Pascal. C'est le seul pro, le plus grand. Le mal n'a pas encore commencé. On veut le faire du mal. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, laisse à la piscine, on te tue à la piscine, on te tue là-bas. Ah. Quand il a fini de s'entraîner, il met mes laves. Dès qu'il me lave, il a envie de manger, il va même nager en même temps. Allez à la piscine. Ou c'est mon assistant pour ce week-end. Je vais ramener ma pharmacie. Là, ce que j'allais dire, sa pharmacie, vous l'avez pas vu. Hein. Il y a plus de choses dans sa pharmacie que la pharmacie du club. C'est incroyable. Regardez le club de ma pharmacie. Non.
La pharmacie du club, les stocks. Mais c'est son petit sac. Il y a qui les bombes brutes là, c'est tout. C'est sûr comme gros sac là. Ouais. Il y a que la bombe. Il y a trois bombes. Ouais. Il y a trois bombes. Il y a deux brassards. Le sac est malaise. Il y a trois bombes. T'as compris. Ah, c'est ça, monsieur Madi. C'est la Coupe de France, c'est Lina Molly Richacal. Ah, gars. Ça flingue, ça sape. Pour regarder l'homme. Ah, l'instar de l'équipe. Mais c'était dit. Non, ça flingue. Oussou, oussou, ça flingue. Ah là là là. La Coupe de France, qui joue tout. En mode stéo. Ah là là, ça brille. La me plaît. Ah, ça va. Quel match. C'est génial. La porte du mal. Il sait, il est dans les bouchons, il arrive. C'est quand on fait la séance de bio? Quand tu veux, mec. Quand je veux, on fera des vidéos YouTube ensemble, je vais me créer une chaîne. Mais c'est chier. Teddy Duval. Je me présente, Teddy. Teddy Duval. Non. Média Admi. Issa, la famille. Teddy Duval. Ritz, ça vous fait là. Teddy Duval, mon meilleur ami. Pascal Leno. Evan, est-ce qu'il s'en brésilien? Brésilien, les gars. Terminé, on rentre à la Casa. Bonjour, je me présente, joueur d'Angers. Ah, tu joues à Angers? Ouais. Tu joues dimanche là, numéro 10 sur le terrain. Ah, ok. Faites attention à vous. Gracien, fais attention à toi. Tiens tes places, ça fait 20. Ouais, jamais je te les donne. Merci. 40 euros, frère. Merci, monsieur. Vous avez retiré, merci. Salut tout le monde, on se retrouve avant le départ à la mise au vert pour se mettre dans de bonnes conditions et de bien préparer le match de ce week-end. Du coup, on va s'entraîner et passer la nuit au centre national de rugby à Marcoussis. Tout est prêt. Tout est ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti. Vas-y, ça dit quoi? Ça marche. T'es prêt pour le match? Ouais, je suis prêt. Tu dois mettre combien de buts? 12. Ouais, vas-y, bah grâce à ça, faut que tu fasses attention à ses chevilles. Du coup, t'as pris un chargeur alors? Ouais. C'est carré. Ah, c'est que pour parler aux meufs, ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est carré, je suis avec Ousmane dans la chambre, moi, inviter des meufs, tout ça. Oh, quelle meuf? Moi, je suis marié, moi. Je rigole. C'est un match bourdier ici en Coupe de France en plus. Arrivé au CNR les gars. Vous savez où c'est la résidence? Oui. D'accord. Merci. Bonjour. Ousmane Diallo. Merci. Je vous ai mes pages comme tout le monde, vous avez la chance. Ok. Et ça, c'est quoi ça? C'est la clé. On a deux clés? Bah oui. Moi, bah, je te laisse la garder. Oh là là. Ça va, c'est. Ouais. Ah, c'est bien. Oui, ça va, ça va. En plus, t'as un petit balcon. Oh là là, Ibu, il a fait la teinture. Ah, oh, c'est la victoire. On va reparler après. Scène. Ah ouais. Inch'Allah. Il est là, l'ostéo. Vois comment il brille au soleil. C'est comme ça? Bon, c'est du. Oh, il est. Ça va. Ah, la piscine. C'est gratuit. Ah, là, c'est la piscine. Ah, il est où, man? Après les entraînements, direct dans la piscine. Il est où? Attends-moi, frère. Tic. Ah ouais.
J'ai ramené ce mail, t'en as du droit. What's up l'équipe? Meilleur joueur de la N3 logique cette année. 5 étoiles. Étoiles. T'as combien d'étoiles là cette année? Homme du match. T'es homme du match combien de fois? 4 fois. 4 fois. Je crois que c'est les records. 6 titularisations. C'est qui le plus chaud à FIFA? Voilà, c'est moi. Non, moi je crois que c'est Ali. Ali? Moi je mets de l'argent moi. Aurélien il sait très bien attention. Aurel, t'as pas le temps pour jouer à FIFA. Non, bah oui. Moi, je suis un bouc du match, moi. Bah oui, bah oui, un bouc du match. J'ai besoin de Oufou, bien mafé, bien tchèb. Mon gars, je suis pas là, moi, je suis soin du frère. Des Arisson Moutaki, bien couscous. Oh, oh. Bien tagi, mec. Bien tagi. De Aurélien Engue, bien flexible, Loketo. Ah là 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 là. T'es meilleur buteur, non, Aurel? C'est les jeux. Actuel meilleur buteur de la N3. L'année prochaine, il sera en... Ah, je suis là. Ligue 2. Ouvert le fond. Arrête, frérot. Non, moi je me plais ici, je suis bien. Laissez-moi ici. Modeste. Je suis bien. T'as fou, tu veux pas parler devant Marca. Modestie. J'ai un contrat jusqu'à la fin de l'année, je me concentre sur le club. Ensuite, mais nous verrons. Coupe du Monde l'année prochaine, c'est comment? Ah oui, c'est vrai. Le Congo, nous ne sommes pas qualifiés malheureusement, mais nous espérons pour 2026. Un petit mot en Lingala. Soki, Olingi, Dino. T'es bourré lui. On est à Chicago ou comment tu marches là? Du mal, c'est super moi le jambes. Le jambes? Ouais. Un petit mot. Bah écoute, c'est avec plaisir qu'on se retrouve au CNR. On va préparer les joueurs très très tranquillement sur la table. Il y a de la balnéo, il y a de la piscine. Tout ça? Et on va manger à 19h30. C'est quoi le score là? Vous êtes concentrés hein, les gars? Ça transpire carrément. Ça transpire, t'as vu? On n'a même pas été douché. Là, tout à l'heure, on a demandé du café, ils ont pas voulu, là, ils ont fait le ouais, bah ouais. Parce qu'ils étaient pas là. Parce qu'ils étaient d'arriver en fait, ils viennent arriver. Le café, Jamel? Non, ça y est, trop tard. Ah! Allez, viens, on va poser comme ça. Oh! Oh! Ah, c'est chaud! Ah! Tu sais pas nager? Non, je peux nager, je crois. Aïe! Ah, abîmé! Tu fais quoi, Issa? Dakar! L'eau est là! Hein? L'eau est là! Attends, je vais aller, ça y est, moi je vais craquer. Ah, tu vas craquer? Ah, j'ai craqué. Non, jamais. Car moi je suis sa bitch là. Vous êtes tapé, wesh. Ok. Moi je vais voir des vrais matchs de FIFA. Je suis avec toi, Erwin Manignan.
Frérot, j'ai comment là? Ça fait que 4 minutes 54, frérot. C'est moi qui m'a commencé. Il est chaud, toi, t'as déjà joué et tout. T'as déjà fait des matchs, c'est jeune d'arriver à faire la mallette. Mange. Est-ce que là, je calme toi? Mange. Voilà, chaud. Beaucoup de confavorables, hein. Beaucoup de confavorables, hein. Légalisation, oui. Ah, ça parle et tout. Allez, il fait froid. La clim. Merci mon nom. Juste la prise de balle, frérot. Dans la prise de balle, tu sais qu'il y a but. Oh, il saute. Il est sérieux, lui. Oh, 3-2, mon garçon, calme-toi. Chouchou, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Tu fais un peu de soin de beauté là. Ah. Soin du corps rapidement là. Eh ben dis donc. Ou demain, tu vois. Je sais que le président a failli prendre un carreau quand j'étais conduit. Moi, j'ai rien fait. C'est le bouc, il avait me donné un coup. Hein. Au fait, il m'a tapé là. Qu'est-ce qui se passe? Il a écrit par rapport à la butte là. La butte peut le sanctionner. Sinon, c'est pas que ça me faisait mal. Oui, là, t'as fait exprès. Voilà. T'as trop. Mais quand la butte n'a pas réagi, je me suis levé. Et là, j'ai pas dû le pousser un peu. Mais après, j'ai chuté sa cheville. Hein. La butte m'a regardé. Il m'a donné un coup. Il a serré mon visage. Il a regardé la butte comme ça aussi. Il a dit non, c'est bon. La butte bizarre là. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Si on tire de grâce, là, ça va. La chance, t'as mis. On va prendre combien? C'est pas possible. C'est miettes. C'est miettes. Demande-toi. Tu as pensé, si tu as pensé. 1000, la du portail passe à la seconde, à la minute, même t'as raison. On va prendre ça et vous, au moment où vous avez nous créer des problèmes sur une petite coupe de France là. Vous n'allez pas gagner. Moi aussi, on ne va pas gagner. Donc, c'est Paris qui a gagné. On vous a déjà l'argent. Là, ce que vous passez, on va prendre un peu, les gars. Benadoni. Leno. Pascal Buteur. Pascal Buteur, hein. Je vais mettre la cote. Hein. Pascal Buteur, 50 euros. Voilà, mon gars. Pascal Buteur. Leno Buteur. Ah. Buteur de la tête. Inch'Allah. Un restaurant prend les 3 points. Ah. Baba Sylla Buteur, ça c'est 1,50. Ça veut dire que t'es sûr de ma valeur, mon gars? Bah oui, 1,50. Ah. Moi je suis sûr, moi. Baba Sylla Buteur. 1,50 direct. Là où je suis jamais dans la vidéo, jamais tu me mets. C'est parce que tu te caches aussi, Kylian. Il est trop. Je suis un mec discret. Ouais. Comment, mon gars? Angers, les gars. T'es prêt, Joe? Moi, je te fais confiance. Tant que c'est des grandes équipes, lui, je lui fais confiance. Il est trop fort. Mais quand c'est les vilaines équipes, ça sert à rien de le mettre. Ah, je suis mort. C'est bon. Ah, ça va. Fromage blanc. Non. On se demande la banane. Fromage blanc la nuit là. Merci. C'est bon? Très bon. Très bon. Petite sauce basket. Petite sauce basket. Non. On se retrouve le matin, les gars. On va faire une petite marche là pour se dégourdir les jambes. Fais-nous suspendu. On a besoin de la prime. Vous avez déjà des sous. Vous en avez pas des sous. Benadon, il faut te calmer. Moi, il dit au quartier, il veut jouer les deux balles. Il a dit, hey, moi, je suis mécanicien. Hein. Ah. Il a dit, toi, c'est ton travail. Moi, je suis mécanicien. Si tu veux continuer ça, moi, il tape ta cheville. Il mérite ta carrière là. Moi, il faut un travail d'ici. Jack et son frère. Daniel. Tu viens. Ça, c'est mon petit. Le moi, les méchants. Mon petit Kylian. Le moi, les méchants. Quand il sera en Ligue 1, il se souviendra de moi. Enfin, moi. Le petit Kylian.
Allez, on démarre la causerie, donc on a le droit à 20 joueurs, c'est très bien, ça permet de récompenser beaucoup de monde. Ce match, comme j'ai dit, qui est une fête pour le club, qui reste une fête aussi pour nous, bien évidemment, mais on est aussi des compétiteurs, je l'ai dit et je le répète. En tout cas, personnellement, j'ai envie d'y croire, je veux y croire et j'y crois. On sait que ça sera compliqué, en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose cette année, ça sera un véritable exploit. Et c'est toujours quelque chose d'important à vivre dans, j'allais dire, dans une vie d'homme et dans une carrière de footballeur, amateur qui plus est. Donc c'est vraiment une belle journée à passer, un bon match à faire, et avec au bout peut-être des choses incroyables qui peuvent nous attendre. Bon les gars, nous on n'a pas grand chose à vous dire avec Fouet. Vous savez très bien pour les anciens comme pour les nouveaux. Montlhéry c'est un club de famille, vous le voyez, vous le savez de toute façon. Pour moi vous êtes tous des grands enfants et je sais de quoi vous êtes capables. La seule chose que je vous demande aujourd'hui c'est, comme a dit Steph, de donner une bonne image de notre équipe. Une image de l'équipe qui sait jouer au foot. On s'est capable aussi de mettre le pied, de faire les choses correctement. Moi je suis confiant et je sais de quoi vous êtes capables. Maintenant c'est juste à vous de le montrer aujourd'hui. De rien lâcher, quoi qu'il arrive on lâche rien. Et puis après, avec votre président, on fait l'effort de vous préparer un petit documentaire, une petite séquence pour vous. Séquence émotion. Séquence émotion pour vous et pour votre coach. Profitez de ce qui va se passer là. Gardez-le bien, c'est pour vous. Rose efficace au Seigneur 23. Vous faites rêver, les gars. Continuez comme ça, bon courage pour le projet. Les gars, on se force à vous, Montlhéry. Allez, staff, fais le boulot. Madame. Allez, tonton. Allez, tonton. Mon gars, est-ce que tu vas faire un bon match contre Angers? J'espère que tu vas travailler sur son côté. Et ça dédicace à Aris et Mouta Tapov. Lève-le. J'ai percé. Ça va ou quoi? T'es prêt? Ouais, on est prêt, on okay, est prêt. Okay. Tout est en place, ça y est. Bien organisé, Régis Sponsoring. On va faire un grand exploit aujourd'hui. Avec nos guerriers sans rien. Ouais, je vous bien ça. À des guillons, père. Chalant. Est-ce qu'on a déjà fait l'issue? Non. La blonde. Ah ouais. Blondinée. Au calme. Le rouge après. Oh, c'est blanc ou bien le roi? Le Herman, c'est allemand? Ouais, c'est allemand, tu connais. H2N à la fin, au calme. Le coach, il fait des ratés, je comprends pas. Sans mal les Leverkusen. Là, il écrit Herman sans le H et sans le L à la fin. Président. On essaye de profiter un petit peu après toutes les heures de boulot et puis on espère encore un miracle. Allez, on compte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant les gars, si on a fait bien évidemment 45 premières minutes extraordinaires, le plus dur il arrive. Un, il faut rester calme, à partir dans tous les sens, avec le tourbillon, ce qui peut se passer autour du stade ou autre.
restez calme. Je dirais qu'il faut faire la copie conforme de cette première mi-temps. Deuxième chose, c'est essayons de ressortir les ballons comme on l'a bien fait sur les 20-25 premières minutes. L'image des deux buts. Même si je sais que vous faites le maximum, qui nous impose beaucoup d'efforts, mais ça on le savait. Mais les garçons, on a deux buts d'avance. Même s'il nous en marque un encore, on est encore devant. Donc il faut rester calme, concentré, discipliné, ne rien changer, s'accrocher à tout. Même quand les efforts ils sont compliqués, les gars. N'oubliez pas tout ce qu'il peut y avoir après ces 45 minutes. Mener 2-0 contre une Ligue 1 à l'habitant, c'est pas la portée de tout le monde. Battre une Ligue 1, c'est pas la portée de tout le monde. Donc on lâche rien. Il y a 10, 15, 20 mètres à faire, on est cramé, on les fait. S'il faut aller compenser, on compense. Il faut mettre la tête au niveau du pied d'un Angevin, on le fait. Ils reviennent pas, les gars. Si on fait la même deuxième mi-temps, ils reviennent pas. Ils nous en marquent même pas. Mais restez bien concentrés, faites les efforts. On va y aller, quart d'heure par quart d'heure. Déjà le premier quart d'heure, il est important, très important. Et après, il y a le turnover qui va arriver. Il y a les copains qui vont prendre l'Harlem. Comme on dit pour les vieux, il y a la cavalerie qui va arriver. De l'ombre, pas besoin de parler fort. Non. Ça toi? Oui. C'est la cité. Quand ils tapent Nas Moleri, ils disent N3, je sais pas quoi. Non! Il y a des bouts comme Joe, A70, les Belek. Voilà lui, j'en parle même pas. Lui, j'en parle même pas. Lui, ça devait être énorme. J'en parle même pas. Je parle de personne. Ligue 2, Ligue 1, qui encore? Beaucoup de boulot. Salut équipe, on se retrouve au lendemain de ce match extraordinaire. Là, on a 2 semaines pour se préparer comme il faut pour les 16e de finale de la Coupe de France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et on s'est dit à bientôt pour les 16e de finale. Les voyous font les influenceurs. Toi, dehors c'est chaud. Le mec qui met les influenceurs. Toi, le guitar, les fait chanter un cœur.